En Égypte, le procureur général reste finalement à son poste. Il y a quelques jours, le président Mohamed Morsi avait décidé de le démettre de ses fonctions et de le nommer ambassadeur au Vatican. Motif, une attitude jugée trop complaisante à l'égard des dignitaires de l'ancien régime. Le magistrat s'est opposé au décret présidentiel, dénonçant une ingérence du pouvoir exécutif dans le système judiciaire, et il a obtenu gain de cause. Le président est revenu sur sa décision. En tout cas, cette affaire illustre les tensions existant en Égypte, avec un président issu des frères musulmans confronté à des résistances. D'ailleurs, des heurts ont éclaté ce vendredi au Caire, aux abords de la place Tahrir. Des membres de la confrérie ont saccagé un podium utilisé par des opposants. Ces affrontements entre partisans et adversaires du président Morsi ont fait une centaine de blessés.